Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Annette. Vous avez bien dormi, monsieur le maire? Ah, je suis crevé. J'ai essayé de casser la vitrine du boulanger toute la nuit. Encore? Allez, cette fois, j'y suis pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Luc? Pourquoi il a mis une vitrine blindée? Peut-être qu'il en avait marre de la changer. Mais c'est la seule vitrine, à bouchon. Faut bien casser quelque chose. Si je peux plus casser de vitrine, vous savez ce qui se passe? On perd les subventions de Bruxelles pour les quartiers en difficulté. Qu'est-ce qu'il s'imagine, Jean-Luc? C'est les subventions qui le font vivre, lui aussi. Maintien des petits commerces en zone sinistrée. 500 000 euros par an. C'est pas en vendant 2 miches par mois qu'il va les gagner. Y a pas de loubar, bouchon. Faut bien que quelqu'un fasse le travail. Vous pourriez peut-être casser autre chose que la vitrine du boulanger. Ben quoi? La gare est désaffectée. La poste, elle a été supprimée. Et les bus, y'en a jamais eu. Alors quoi? Taguer les murs, ça suffit pas, honnête. Pour obtenir des aides, faut casser. Si vous savez bien vérifier pourquoi on touche ces subventions, on aura l'air minable comparé au quartier nord de Marseille ou à la banlieue parisienne. La concurrence est dure d'être dans un secteur des banlieues chaudes. Il y a des vraies bandes, des vrais méchants. C'est pas le maire qui fait des rodéos en voiture volée dans les rues, non. Le maire, il fait construire des centres culturels que les casseurs détruisent le lendemain de l'inauguration. On n'a pas ces moyens-là. Là. Moi, quand j'ai besoin de voler une bagnole, je prends la mienne. Non, faut qu'il coopère, Jean-Luc. Hein. Sinon, je signe un arrêté qui interdit les vitrines blindées. Et les boulangeries. Oh, vous êtes de mauvaise humeur. Ben oui, Odette, oui. Je porte ce village à bout de bras et par moments, je me sens un peu seul. Certains oublient vite que, sans les subventions européennes, on crève. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé hier? Oui, monsieur le maire. Je pourrais jamais. Odette, c'est pas le bout du monde. Je vous demande juste de faire le mouton. Je pourrais jamais faire le mouton. Pas de faire le mouton, je vous compte comme mouton. Vous m'avez déjà compté comme veau l'année dernière. C'est un métier formidable. Grâce à vous, on a décroché les subventions européennes pour les élevages de vin. Cette année, on me demande le mouton. Oh, j'ai besoin de 300 terres. Vous pouvez bien m'en faire une. Et signer un contrôle. Oh, je dirais que les loupards de la ZUP ont fait un grand méjouir. C'est risqué tout ça quand même. On n'a pas le choix, Odette. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'activité économique à Bouchon. Il n'y a rien que les subventions. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, il y avait la fabrique de cache-pot. Oh, la fabrique de cache-pot. Mais c'est fini, ça, Odette. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens cachent plus leur peau. On peut pas les obliger. Aujourd'hui, l'usine est fermée, alors faut se débrouiller autrement. Vous savez ce que c'est? Ça! Non! Ça! C'est 10 millions d'euros par an! En Guadeloupe, parce que je sais pas combien Bruxelles va donner pour la banane Bouchon. C'est un bananier! On va produire des bananes! Vous! Ça allez produire des bananes! Je vous ai mis la tête de 150 hectares! Je viens d'envoyer en votre nom la demande d'aide à la production. Et vous croyez qu'on va l'obtenir? Vous connaissez les fonctionnaires de Bruxelles, hein, ils sont pointilleux. Et avant de cracher leurs millions, ils voudront voir les premières récoltes! C'est pour ça que si vous pensez à l'arroser de temps en temps... 10 millions! Je vais chercher de l'eau! Non. Et vous n'oubliez pas notre réunion tout à l'heure! Oui! Il est interdit de jouer au ballon contre le mur de la mairie! Je t'ai dit 100 fois! Vous êtes bien avancé maintenant, hein? Toi! Oui, toi le grand, là! Viens te chercher! Ouais. Qu'est-ce que tu encore? Bon, Jacques, j'aimerais bien que tu me parles autrement devant les gosses. Je suis ton frère quand même. Non mais, hey, c'est pas très valorisant pour moi. Hein. Ben, Jacques, j'ai l'air d'un con comme ça. Tu es très bien. Non, écoute, c'est pas facile. En plus, j'ai froid. Non mais, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Mais j'y suis pour rien. Il faut 4 enfants scolarisés. Sinon, l'école de Bouchon ferme. Je peux plus rester enseignement pendant un an. Un an? Je croyais que je faisais juste la rentrée. On peut avoir l'inspecteur à tout moment. Puis, l'école est obligatoire. Je te le rappelle. Arrête. Et l'année prochaine, je fais quoi? CM2. Oh. Si tu redoubles pas,
Non, mais tu comprends bien que c'est pas pour moi que je t'envoie à l'école. C'est pour le village que tu fais ça. Pour les générations futures de Boussonnet. Générations futures? Non, mais tu parles. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de naissance. Comment tu veux dire ça? Il y en a encore une la semaine dernière. Une noix. Et alors? Ça peut donner des idées? Non, non, ça. À qui? Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à l'école que ça va pas? T'as eu une mauvaise note? Arrête! Je suis pas d'humeur! Bon, Nicolas, je peux pas passer mon temps à te remotiver. Tu sais bien qu'on n'a pas le choix. Bouchon est notre village. On peut pas le laisser mourir. Je te signale que je m'habille en 12 ans, que je mange des lentilles à la cantine tous les midis et que je joue à la Game Boy. Alors il me semble que mon dévouement n'est pas à remettre en cause. Oui, mais tout ça est fait sans enthousiasme. Je le sens bien. J'ai besoin de toi, Nicolas. Parfois, j'ai l'impression d'être tout seul. Tu crois que ça m'amuse de taguer toutes les nuits les murs du village? Ouais, ça d'ailleurs, je les comprends pas, tes tags. Ça veut dire quoi? Nique les vitrines blindées. Je te demande 3 ans, Nicolas. Tiens le coup, encore 3 ans. Jusqu'en 5e. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Ben, je crois que j'ai la solution. Pour désenclaver définitivement Bouchon. Tu vas faire un rond-point? Mieux que ça. Bon, c'est encore secret, mais t'as un grand garçon maintenant, hein? Quand je peux le dire, c'est une sortie d'autoroute. Une sortie d'autoroute? Comme ça, toute seule? Non, une vraie sortie d'autoroute avec une autoroute de chaque côté. Bon, je t'explique. Bruxelles a le projet de construire un grand axe européen, Mourmansk, Gibraltar. Je me rends pas compte. Je vais te montrer. T'as ton livre de géo? Ouais. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mes clopes. Tu fumes? Ben non, c'est pour un exposé. Tu me prends pour un con? Confisqué. Et ça, c'est quoi? Ah non, mais tu touches pas à ça, hein? C'est mon goûter, ça. C'est le bordel dans ton cartable, hein. Bon, alors regarde, ça c'est le trajet de la future autoroute. Elle part de Mourmansk, elle passe par Saint-Pétersbourg, Varsovie, Berlin, Bruxelles, Paris, Bouchon, c'est nous, Madrid et Gibraltar. Oh la vache! Le plus grand axe européen jamais construit. Et qui va passer par Bouchon? À 5 km. Alors, j'ai demandé à Bruxelles de prévoir une sortie. Bouchon centre. Mais ils ont accepté? Encore, j'attends la réponse. Non, mais ça, d'accord, mais s'ils refusent... J'ai tout prévu, hein. J'ai aussi demandé Bouchon Nord et Bouchon Sud. C'est que toi, alors, t'es optimiste, hein. Et tu crois qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui vont partir de Saint-Pétersbourg pour se rendre à Bouchon Centre. Non, mais tu pourrais travailler à Bruxelles, toi, hein, avec ce genre de raisonnement. Que parlons de quoi on priverait les Mourmansquais ou les Saint-Pétersbourgeois qui partent en week-end du plaisir de découvrir le Bouchonnais? Il n'est pas question de les en priver, mais pourquoi ils viendraient? Bon, on trouvera. Bon, pour l'instant, c'est confidentiel. Hein. T'en parles à personne, t'es le seul à être au courant avec eux. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas à l'école? Oh, bah, c'est qui? Il y va? Et pour l'autoroute, Mathieu, ça? Ce que c'est, on raccourt avec les copains, on bavarde... Ouais, non, mais alors ça t'en fait pas, motus et bouche cousue. Ah, oh, il est mignon. Vous avez préparé la réunion, Odette? Bien sûr, monsieur le maire. Ça me paraît clair. Ah, merci, Odette.
Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire venir des touristes à Bouchon, hein, mais des milliers de touristes? Oh, une erreur d'orientation. Non. Un instinct suicidaire. Oh, non, non. Une catastrophe naturelle. Non, 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 ce qui fait venir les touristes, c'est les grottes préhistoriques, des églises romanes, des musées. Mais on n'en a pas. Oh, la mer. C'est à 350 kilomètres. Ah non. Oh, ce que les gens aiment, ce sont les grandes chutes d'eau. Regardez le Niagara. Oui, non, mais pour ça, il faut un dénivelé, Odette. Non, mais vous comprenez ça, ça suffit pas d'avoir une sortie d'autoroute. Il faut donner aux gens une bonne raison d'utiliser. Mais franchement, Odette, pourquoi on viendrait à Bouchon? Pour voir la chute d'eau. À Cambrai, ce sont les bêtises, en vert. La fourme. À Paris, le chantier de Gramoy. Mais à Bouchon... L'ennui. C'est moins vendeur. Le jour où l'autoroute sera construite, il faudra réfléchir à tout ça. Ah, oh, vous êtes prête? Prête, j'y vais. Non. Encore 3 secondes. Allez-y. Encore un petit coup. Odette, je tiens à vous dire que depuis la panne de la sirène, la mairie vous est reconnaissante de votre disponibilité tous les premiers mercredis du mois, à midi. C'est un devoir. Mais à chaque fois, ça me rappelle la guerre. Vous l'avez pas connue. Je vous signale que je touche une pension d'ancien combattant quand même. Ça, c'est autre chose, Odette. La municipalité n'a pas les moyens de vous payer, il a bien fallu vous trouver un salaire. Vous touchez 700 euros par mois pour avoir perdu une jambe à Monte Cassino. C'est quand même pratique, hein? Oui, mais ça m'oblige à avoir 82 ans sur mes papiers. Et alors? Je me demande si une octogénaire unijambiste qui fait le veau une fois par an peut commencer une exploitation bananière. J'ai pleinement confiance en vous, Odette. Oh, c'est maman qui aurait dû toucher cette pension de guerre. Bah pourquoi? Elle a fait de la résistance. Vous savez bien, elle a caché un aviateur américain qui était tombé dans son jardin. Il est tombé le 7 mai 45, c'est lui qui a appris au Beaujolais qu'on était en guerre. Les Allemands ne sont pas venus, ils n'ont jamais trouvé le village. Et alors, elle l'a caché jusqu'à fin septembre. Mais fin septembre 1960. Ça ressemble plutôt à de la séquestration, hein. Qu'est-ce qu'elle en a fait pendant tout ce temps? Son américain? I don't know. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez? Oui, on dirait un grillon. Un grillon malade, monsieur le maire, j'ai peur. Ça vient de là. Éloignez-vous, Odette. C'est un fax, Odette! On reçoit un fax! C'est formidable! Oh, je savais même pas qu'on en avait un! 2 pages, Odette, non! 3! Oh, des triplés! Oh, félicitations, monsieur le maire! C'est Bruxelles! C'est la réponse pour ton route! Attention! Odette! Odette! Elle a failli m'écraser! Mais t'es pas à l'école, toi! Ah ben non, y'a Jim, j'ai pas mes affaires! T'avais laissé la fenêtre ouverte! Mais là, je peux pas penser à tout! Enfin, ça, tu sais bien, à la moindre émotion, elle saute! Et alors, elle se retourne comme les chats! Ah oui, mais moi, ça me fait peur à chaque fois! Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu un fax de Bruxelles! Ça va, Odette? J'arrose ma bananerie, je suis à vous! Non, bah, tu vois, elle va bien! Oui, bon, alors, c'est quoi ce fax de Bruxelles? Monsieur le maire de Bouchon! J'ai le plaisir de vous informer que la Commission européenne, chargée de la construction de l'axe Mourmansk-Gibraltar, a bien reçu votre demande concernant les 3 sorties Bouchon Nord, Bouchon Centre et Bouchon Sud. Ça commence bien, ils ont reçu notre demande. Je continue. Veuillez nous excuser pour cette réponse tardive, mais nous avons eu le plus grand mal à localiser votre commune.
En effet, à notre connaissance, aucune carte, même les plus détaillées, ne mentionne son existence. Les photos aériennes les plus précises ne nous furent d'aucun recours. Bouchon se trouvant manifestement dans une zone non balayée par les satellites. Dite zone d'ombre. C'est donc au hasard que nous envoyons un fonctionnaire de nos services errer dans la zone d'ombre, en espérant qu'il tombe sur votre lieu dit Bouchon, ça y est, il s'intéresse à nous. On a gagné. On a gagné quoi, Odette? On a gagné un fax. Oh. Mais c'est formidable, Nicolas, mais s'ils envoient quelqu'un, c'est que le principe d'une sortie d'autoroute est accepté. C'est un seul jeu à tout le problème. Et t'as pas peur qu'ils découvrent l'escroquerie? L'escroquerie? Odette, il y a des escrocs ici. À part nous, je vois pas. Il va se rendre compte qu'on a touché de l'argent pour rien. Les 500 têtes de bétail, la bananeraie, l'école, les délinquants, enfin, on n'a rien de tout ça. Il vient pas visiter la région, il vient pour le projet d'autoroute. De toute façon, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a détourné des millions. D'accord, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ah, t'as raison, hein, oh. Bon, c'est pas si dramatique. En fait, on a anticipé sur le développement de Bouchon. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'en demandant cet argent, on a prouvé qu'on était capable. Venez dans cette région, une politique dynamique de détournement de subventions. Bon, ouais. On lui expliquera que ces subventions, c'est comme un avaloir. Un avaloir, ça se rembourse. Bon, alors, le terme mal choisi, c'est... c'est pas un avaloir. Non, mais s'il faut se l'occuper, distraire son attention... Comment? On lui demande encore plus d'argent, pour un projet encore plus ambitieux. Eh ben, propose-lui de construire un port pendant que tu y es. Un port? Mais enfin, Nicolas, il faut rester dans le crédible. Bon, alors quoi? T'inquiète pas, pour vrai. Eh ben, en attendant, Odette, il va falloir jouer serré. Jouer serré? Qui commence? Mais non! Non, quand le fonctionnaire sera là, il va falloir faire très attention à ce qu'on dit, hein. Surtout ne pas se trahir, parce que si jamais il découvre nos magouilles, on est foutus. Ah, Nicolas a raison. Ne prenons pas de risques. Ça serait trop bête de louper la sortie de d'autoroute. Il essaie de me dire quelque chose. Oh, vous m'avez fait peur. Enfin, mademoiselle, ça fait une heure que je frappe. Oh, mais moi aussi. Bah, pourquoi on m'a pas ouvert? Je débute en morse. J'avais pas compris que vous vouliez entrer. Bon, est-ce que monsieur le maire est là? C'est à quel sujet? Robert Flappy, fonctionnaire de l'Union Européenne. Ah oui, non, mais alors ça, vous inquiétez pas, c'est Odette, hein. Ah, bah alors ça, on a l'habitude, à la moindre émotion, elle sauve tout. C'est très handicapant. Ah, non, elle se retourne comme les chats, vous allez voir, elle va monter dans 5 minutes. Ça va? Ça surprend. Dis-moi, mon petit. Tu sais où est le maire? Non. Vous êtes le fonctionnaire de l'Union Européenne? Robert Flappy, bonjour mon petit. Monsieur, et vous arrivez de Bruxelles? Non, de Strasbourg. Ah oui, non, c'est vrai, vous êtes de Strasbourg. Non, mon bureau est à Strasbourg. Les réunions à Bruxelles et la cafétéria au Luxembourg. Mais ça vous oblige à bouger beaucoup? Non, 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 la cafétéria n'est pas si grande. Et vous avez trouvé facilement? Je me suis perdu. Oui, jusque-là, c'est bon. Après, j'ai erré à travers champs et je ne sais par quel hasard, je suis finalement arrivé ici. Ah bah écoutez, il n'y a pas plus court. Ça, c'est la meilleure façon d'arriver à Bouchon. Et vous venez pourquoi, monsieur? Oh, tu ne comprendrais pas, ce sont des problèmes administratifs. C'est des choses de grands. Dis-moi, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans? Mais tu es en quelle classe? CM1. T'es très en retard. Oui, oui, mais ça, vous savez, une mononucléose à 8 ans,
j'ai eu une mauvaise angine l'année suivante, et ben on a du mal à rattraper le retard. Hein. Alors on redouble et voilà, on se retrouve en CMA à 35 ans. Ça peut arriver à tout le monde. Mais cette année, tu as bon espoir de passer. Ah ben ouais, je suis dans les 4 premiers. Tant mieux. Je vois que la relève est assurée à Bouchon. Tu vas là. Voilà monsieur le maire. Monsieur Robert Flappy, de l'Union Européenne. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi Odette a sauté. Bon cher monsieur, je suis ravi et honoré de vous accueillir à Bouchon. Vous avez trouvé facilement? Je me suis perdu. Ah, on va bien, puisque vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. Nicolas, je peux vous dire qu'on vous a attendu. Je peux vous dire que vous êtes cherché. J'imagine que vous êtes là pour la sortie d'autoroute. Entre autres, oui. Ah, mais l'autoroute, ça n'est qu'un début. Ah bon? Alors, mais j'ai pour cette région un projet beaucoup plus ambitieux. Est-ce que je peux me permettre de vous l'exposer? Avec joie. Qu'est-ce que c'est? Un port. Un port? Un port? Une zone portuaire, pour être précis. Voilà ce que j'appelle de l'ambition. Vous êtes à combien de la mer? 350 kilomètres. Ah, quand même. J'ai bien étudié la question, c'est précisé dans le dossier. Il faut creuser un canal. Hein. Ou deux. Deux. Oui, un pour l'aller, un pour le retour. Et même un troisième. Pourquoi? Pour rien, un troisième, comme ça, pour le plaisir. Oh, ça. Oh, j'aime ça. Oh, mais voilà, Nicolas, j'aime ça. Une Europe entreprenante, ambitieuse, à l'écoute des projets de région. Bon, alors, ils arrivent quand? C'est crédit. Ah, mais très vite. Il faut combien de pelles pour creuser le canal? Oh, on n'en est pas encore là. J'en connais bien les technocrates de Bruxelles. Vous êtes dans les bureaux, apparemment, aux prises avec la réalité des choses. Hein. Non, mais vous comprenez bien qu'il va falloir engager les ouvriers, les ingénieurs, les secrétaires. Évidemment, la main-d'œuvre. Exactement, la main-d'œuvre. Mais on veut que les gens se sentent bien à Bouchon. C'est pourquoi on a imaginé une vaste zone pavillonnaire, avec à proximité un centre commercial, des écoles, un stade, un golf, un casino et une centrale électrique pour alimenter tout ça. Bon, quant au nombre de pelles, il faut vous le dire tout de suite. Moi, je dirais... 4. Il faut serrer les budgets. Bien sûr, sinon c'est la gabegie. Quelle bonne idée, cette zone portuaire. En plus, ça vous aidera à exporter vos bananes. Quelle banane? Vos bananes. 150 hectares dirigés par un ancien de Monte Cassino unijambiste. Les bananes. Excusez-moi, parce qu'on a tellement d'activités à Bouchon. Oh, ben ça, les bananes, les moutons, les veaux, les vaches. Eh oui, il a bien fallu remplacer les cache-pots. Ah, vous faisiez des cache-pots? Oui. Les célèbres cache-pots de Bouchon. Mais bon, c'est fini, tout ça. Hein. Les gens ne cachent plus leur peau. Oh, hélas, l'époque est à la transparence. Néanmoins, à Bruxelles, nous sommes un peu inquiets. Pourquoi? La délinquance. Vous avez une délinquance en progression constante dans la région. Progression constante? Ah, on a doublé vos subventions cette année. Non, alors, ça, c'est pas tellement qu'ils soient nombreux, mais alors, ils sont très organisés. Attention, méfiez-vous, une délinquance trop importante, ça peut faire capoter un projet intéressant de zone portuaire. Ce serait dommage. 350 km du littoral, c'est un atout majeur, ne le cachez pas. Écoutez, faites-moi confiance, si vous débloquez ces crédits, je me charge d'éradiquer de façon définitive la délinquance à nous. Là, vous me surprenez. Ah, mais du jour au lendemain, il n'y aura plus qu'une seule vitrine de cassée à Bouchon, hein. J'en donne ma parole. Bon, évidemment, tout ça nécessite quelques conditions. Évidemment. Je dois m'assurer de la viabilité économique de la région. La viabilité? Oui, oh, rien de bien méchant, une petite vérification de routine. Mais qu'est-ce que vous allez vérifier? Il me faut les comptes d'exploitation des troupeaux d'ovins et de bovins depuis 84. Il me faut la courbe de progression du taux de rendement à l'hectare des exploitations céréalières.
le calcul de la CSG non déductible engendrée par les bénéfices de l'exploitation de l'élevage porcin, CSG non payée par vous depuis 5 ans, mais c'est sans doute un oubli. Ah bon, oubli, oui. Et oubli. Il faut également le décompte de la taxe à l'exportation portée depuis 6 mois à 1,83 au lieu des 1,80, mais vous avez dû être prévenu par courrier, je suppose. Par courrier, oui. Pour vos importants. Ça peut attendre. Un petit quart d'heure. Ou alors, on va faire un tour dans la bananeraie, et à mon avis, on sort tout de XL. Ah, mais volontiers. Allons-y. On y va. On y est. Ah, oui. C'est un début. Je vois. Prometteur. Vous voyez cette petite pousse, là? Eh ben, elle n'était pas là hier, hein. Je ne me rends pas compte. Ah ben, c'est normal. Vous n'étiez pas là hier. Regardez, ça fait déjà de l'ombre. Il fait plus frais en dessous. Oh oui! On a presque envie de s'y installer. Non. Mais alors, c'est 150 hectares? Ah ben, 150 ou 200, hein. On n'est pas limité par l'espace, ici. Certes, mais pour l'instant, on n'avait que ça. On se lance. Je vois. Parce que là, à tout casser, vous avez quoi? Je dirais 20 centimètres carrés. Pour 150 hectares subventionnés. Oui, non, mais je reconnais que je suis allé un peu vite. Hein, bon, il y a une sorte de frénésie, hein, de la banane, du champ. Hein, on s'est laissé emporter. D'autant que les experts les plus compétents en agronomie prétendent... Mais vous connaissez les experts. Oh là là, oui. Prétendent que la banane pousse plus généralement entre le tropique du Cancer et celui du Capricorne. Ils peuvent aussi se tromper. Ça arrive. Néanmoins, la pratique tente à démontrer qu'aucune banane n'a jamais poussé au-delà de ces deux tropiques. Même en intérieur. En intérieur, arrosé par Odette. Jacques, je peux vous appeler Jacques. C'est mon nom. Jacques, je trouve votre attitude... admirable. Non, c'est vrai que c'est un peu téméraire, la banane, la bouchon, enfin, que voulez-vous, on est enthousiaste, c'est notre force. J'en ai vu des fraudeurs. Mais des acharnés comme vous, jamais. Pardon? Je pense qu'il est inutile d'aller voir les 500 têtes de bétail, on ne les trouverait pas. Mais comment on les trouverait pas? Mais elles y sont. Mais vous tombez mal, c'est l'époque de la transhumance. Genre... on ne les trouverait pas. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que vous insinuez, là? Nicolas, dis-lui. Bon, il n'y en a peut-être pas 500. Oui. Peut-être pas exactement 500. Là, c'est vivant, notre troupeau, hein, ça fluctue. Ça va, ça vient. Il y en a qui sont mutés. D'autres qui prennent leur retraite. Un peu comme chez vous, hein. Nicolas, on ne les trouverait pas. Nicolas! Les délinquants non plus. Alors qui casse les vitrines? C'est lui? Le nijambiste de Monte Cassino aussi? Non, Odette! Ma secrétaire, une femme d'un courage inouï. L'école! Mon frère. Monsieur? Bref, vous n'avez rien! Non, rien! À part des dettes! Ah bon? Vous êtes conscient qu'il va falloir rembourser toutes ces subventions indûment perçues, sans compter l'amende. Il y aura une amende pour fraude, oui. Mais fraude, vous exagérez. Personne n'a jamais cherché à vous tromper ici. Ah, nom de Dieu, je reviens de la peine d'André, c'est la chienlit. Merci, Odette. Merci. De rien. Il est où, Flappy? À côté, il fait les cons, hein. On est foutu, cette fois, on est foutu.
cause de toi, Nicolas. Comment ça? Tu lui as tout balancé. Enfin, tu plaisantes, Jacques. Il voyait que du feu, il se rendait compte de rien. Ah bon? Oui, il allait signer la zone portuaire et la bananeraie. Il a fallu que tu t'effondres comme une lope. Vous êtes une lope, Nicolas. Non mais, pas de ça avec moi, Jacques, hein. Me prends pas pour un con. T'as toujours manqué de nerfs. Du cran, mon garçon, du cran. Avant de venir ici, il savait déjà qu'on était des fraudeurs. Ah ça, la lope a raison. Mais bien sûr, la lope a raison. Enfin, il est pas venu pour la sortie d'autoroute, il est venu pour nous coincer. On s'est fait avoir par des Belges de Strasbourg. Oui, et ça c'est les pires, faut fuir pendant qu'il est temps. Non, un petit contre-temps et tu paniques, toi, hein. Mais pourquoi tu veux partir? T'as peur? Enfin, Jacques, on risque la prison. Mais c'est pas qu'on risque, on va y aller. Si on ne réagit pas. D'accord, alors c'est quoi ton idée? Non, je vais trouver. Eh ben c'est ça, vas-y, va, tiens, allez, réfléchis, moi je fais mes valises et... Alors résumons-nous. Pas une seule tête de bétail. L'école, un cancre de 35 ans encore en CM1. La bananeraie, un pot 20 cm carrés. Et encore, vous êtes fait avoir par le fleuriste, à mon avis, c'est un caoutchouc. Ça relève du pénal, tout ça. Vous avez ce que je vous ai demandé, Odette? Oui. Voilà les subventions de 84 à 93, extorquées à la culture, concernant notre festival annuel de théâtre de rue. Théâtre de rue? Mais vous n'avez pas de rue? Encore une autre courte! Oui, ça, moi, j'ai pas pu me résigner. J'ai pas osé dire aux trois autres gamins que l'école allait fermer. Vous voulez que je le fasse? Ça ne me dérange pas. De pauvres enfants, malades, rachitiques, chétifs, à jamais incultes. Mais moi, j'ai pas pu leur refuser un dernier ballon prisonnier. Avec ce que vous avez détourné, vous aurez tout le temps d'y jouer au ballon prisonnier. Si on vous donne un ballon. Ben, j'emporterai celui-là. Vous avez la facture du ballon, Odette? Bien sûr, elle est là. Nous l'avons acheté avec la subvention du stade olympique. Alors, il est à moi. Vous êtes un justicier, en fait. Oui. Une sorte de Zorro. Si on veut. Un Zorro de Strasbourg. Plutôt Bruxelles. Zorro, tu me parles. Vous êtes le fonctionnaire borné dans toute sa splendeur. Aussi, oui. Rigide, obsessionnel, tatillon, méticuleux. Vous êtes vraiment tous les mêmes. On a essayé, figurez-vous. On a essayé un temps d'humaniser les contrôles. On a recruté des jeunes, sympas, ouverts, compréhensifs, à l'écoute des fraudeurs. Puis on s'est rendu compte que c'était moins efficace. Alors on est revenu à la bonne vieille méthode, le fonctionnaire borné. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a une profonde antinomie entre contrôle financier et convivialité. Dites-moi, Odette, juste par simple curiosité, il est passé où l'argent? Vous devez être richissime avec ce que vous avez détourné. Non, il reste rien. Ne me prenez pas pour un imbécile. C'est où? En Suisse? Mais non! Monsieur le maire est très honnête, il a tout redistribué. Au Luxembourg? Non, au Bouchonnais. Pendant des années, Jacques a rétribué les Bouchonnais. Pour quoi faire? Pour qu'ils restent. Pour sauver le village. Et puis les habitants en ont demandé toujours plus. Et monsieur le maire n'a pas pu suivre, alors beaucoup sont partis. Et vous, vous êtes restée? Ah oui, je suis une femme fidèle. C'est une grande qualité, Odette. Oh, merci. Et donc, de toutes ces subventions détournées, il ne reste rien. Rien. Mal à le croire. Faut dire que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des subventions. Avant, il suffisait de remplir un formulaire. Même sur un coup de fil, parfois on nous envoyait de l'argent. Ah bon? Ah oui. Maintenant, c'est impossible. Faut remplir des tas de papiers, faire plein de dossiers. Ça, les fonctionnaires Bruxelles ont bien compliqué les choses. Oui, on a tué le petit commerce, en quelque sorte. Exactement. Bon, écoutez, Odette, laissez-moi tout ça. Je vais regarder. Et qu'est-ce qui va nous arriver?
La prison. Je le crains. À moins que... À moins que quoi? 50-50. Pardon? 50-50. Mais 50-50, c'est-à-dire? Ben vous m'avez compris, 50-50. Oh, c'est un jeu! Alors, 24-318! Le magot, tout ce que vous avez mis de côté, on fait 50-50. Je m'adresse à vous parce que vous avez l'air plus raisonnable que votre frère. Mais c'est de la corruption! Pas trop fort! On en est où? C'est à qui de jouer? Mais c'est une excellente idée, ça, Robert! Ah, je le savais! Il y a donc bien quelque chose! Et comment? Donc, si on partage, on va pas en prison. Vous avez tout compris. Top là. Je peux vous faire une confidence? C'est le moment. J'ai toujours rêvé de me faire corrompre. Moi aussi! 30 ans d'une carrière sans tâche, vous vous rendez compte? Non! Bien sûr, je reste qui, parfois. Ah oui, vous prenez dans la caisse? Non, à la cantine. Je prends deux entrées. Deux entrées? Au lieu d'une? Oh, vous entendez ça, Odette? Deux entrées? Ça me donne des frissons partout! Oh ben c'est du Al Capone, ça, Robert! Oh ben deux entrées, dites, moi j'appelle ça du grand banditisme! J'ai fait tous les postes, la commission, le parlement, j'étais rapporteur, commissaire, enfin tout! Il ne me manque plus que la corruption! Ça, vous êtes arrivé à un niveau de carrière où il est temps d'y songer, bien sûr! Je le crois aussi, oui! Eh ben rassurez-vous, c'est fait! Voilà! À l'avance, cette addition! Jacques! Robert et moi avons trouvé un terrain d'entente. Quoi, mais t'es pas à l'école, toi ? Je suis un homme compréhensif. Je suis prêt à faire preuve d'une certaine souplesse. C'est-à-dire ? Si vous me donnez la moitié du magot, je ferme les yeux sur les détournements et je fais un rapport favorable à ma hiérarchie. Non, mais t'entends ça, Jacques ? Un rapport favorable à sa hiérarchie ? Non, mais quel magot ? Mais de quoi il parle ? De ce qu'on a détourné, les subventions ! Mais on n'a rien ! Genre, pas moi. Non, mais attendez, mais... Mais ça s'appelle de la corruption! Oui, ah bah alors ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on disait avant que t'arrives. C'est sérieux? On peut y aller! Il prend deux entrées au lieu d'une à la cantine! Alors tu sais, il a déjà mis le bras jusque-là. Je suis consterné. Quoi? Je suis consterné! Non mais pour qui vous nous prenez? Pour des fraudeurs qui avaient détourné des millions à la communauté européenne? Exactement! Et vous croyez que ça vous donne le droit de nous traiter comme des malhonnêtes? Mais évidemment, ça lui donne le droit! Vous n'allez quand même pas refuser, ce serait suicidaire! Quelle honte! Un fonctionnaire payé avec nos impôts! Jacques, là tu vas loin. Et je ne compte pas m'arrêter là! Donc vous refusez? Non, on réfléchit là, on réfléchit, Robert. Jacques, on va tous finir en tôle! Dans ce cas, je continue mon contrôle! Vas-y, mais continuez! Non, Robert, laisse! C'est quoi ce chiffre? Une estimation de ce que vous avez détourné comme aide à la production céréalière. C'est deux fois plus. Qu'est-ce que c'est que ce montant ridicule? On n'est pas les mendiants! Pour qui vous le prenez? Si vous dites le double! Vas-y, mais doublez, triplez! Et puis surtout, foutez-moi le camp! Ça va s'arranger. Mais on est bien parti là. Monsieur, Odette. Tu viens de gâcher notre dernière chance. Ce type rêve de se faire corrompre. Comme moi. C'était la seule façon de s'en sortir. Et le village, t'en fais quoi? Et moi, je ne veux pas que Bouchon meure. On va continuer de se battre. Dans quel but? Odette, je vous reconnais plus. Vous, la secrétaire du maire, la first lady du Bouchonnet. Vous renoncez? Moi, je ne démissionne pas, je tiendrai parole. Mon ambition, en tant que maire, c'est de dire un jour à tous les Bouchonnais, en les regardant bien droit dans les yeux, vous êtes tous des enclavés. Non, mais t'es complètement malade! J'ai bien réfléchi, on n'a pas encore utilisé tous nos atouts. D'accord, alors c'est quoi nos atouts, hein? Des marais infestés de moustiques, une route en sable, une cabine téléphonique qui sert de salle polyvalente.
Ça fait déjà trois. Il y a tout à faire ici. Oui, ça je te le confirme. La grande idée, c'est l'indépendance. On va réclamer notre indépendance. Un état bouchon? Un état bouchon. Odette a compris. J'ai compris. Un état bouchon. Mais oui, on va faire comme tout le monde. On va revendiquer une identité culturelle, des traditions, des racines. Mais on n'a rien de tout ça, on n'a pas de racines. Qu'est-ce que t'en sais? On les voit pas. C'est le principe des racines. On peut inventer ce qu'on veut. Et les dettes, hein? L'amende, la prison. Enfin, Nicolas, mais même Odette a compris. Ah bon? On est un nouveau pays. Tous les comptes sont à zéro. On est indépendant. On ne doit rien à personne. Oh, ben c'est Robert qui va être surpris. Ah bah, je comptais bien te prévenir. Il est où? Dehors. On dirait qu'il fait un relevé topographique. Pourquoi? On touche des subventions pour zones montagneuses. Là, il vérifie la hauteur des sommets environnants. Il aurait dû me demander, hein. Snappy! Point culminant de bouchon, 3,50 m. C'est le tas de fumier là-bas. Et si tu montes dessus, tu seras le premier. Tu peux planter un drapeau. T'as des loups maintenant, bouchon? Non, c'est Flappy qui s'est perdu. Il retrouve pas le chemin du retour. Je lui avais laissé un peu de nourriture à la lisière du bois. Ce matin, il n'y avait plus rien. Bon, tout le monde est prêt? Bon. Il est encore là, lui. File! C'est tout droit! Oh, pauvre bête! Ah, mes amis, vous sentez comme moi le vent de la liberté qui souffle à nouveau sur bouchon. L'éclipse fut longue. Le rayonnement n'en sera que plus puissant. On va où déjà? Bruxelles, le cœur de l'Europe. Pourquoi faire? C'est notre cause. Faire de Bouchon un nouvel état membre, la 28e nation. Ou 29, je sais pas, hein. Ça change tout le temps. Bouchon, nouvel état membre. Peut-on parler d'élargissement? Et ensuite, New York, à l'ONU, pour crier au monde, vive la République, vive le Bouchonnet libre et indépendant. Ben, ils vont être surpris à New York. Comme toute nation se respecte, nous devions avoir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est? Le drapeau. L'emblème de Bouchon. Souriez pour voir. C'est le trou qu'il faut voir. C'est un drapeau avec un trou. Vous avez compris? Oh, à cause des mythes? Non, c'est plus rapide à repasser. Mais non, enfin... Mais... Bouchon, c'est quoi? Un trou. Exactement. C'est chez nous. On est dans la symbolique. Imaginez tous ces trous qui flotteront bientôt sur le toit des ambassades bouchonnes, partout dans le monde. Et les petits fanions troués sur les voitures officielles. Et notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, avec une plaque sur le bureau marquée United States of Bouchon. Vous croyez qu'on aura une oreillette? Mais 10 000. Il n'y a plus que vous devez d'oreilles. Les chefs d'État viendront en visite officielle à Bouchon. Ils seront fiers d'affirmer « Ich bin ein Bouchonneur !» Vous voulez élire un président? Odette a raison. C'est ça qu'ils vont nous demander à Bruxelles. Il faut élire un président. Je propose que le président soit élu démocratiquement au suffrage universel. Commençons tout de suite. Qui se présente? Voilà. Pardon. Qui vote pour moi? Nicolas. Pardon. Bien. Je suis déclaré à l'unanimité président de la République Bouchon. Félicitations. On avance. C'est bon. Je nomme Nicolas Premier ministre. T'avais rien de prévu dans les mois qui viennent? Ah ben ça, non, mais... Mais quoi? Ça, c'est bientôt au-dessus de mes capacités, hein. Moi, je suis encore qu'en CM1. Hein. Les premiers ministres, ça fait des grandes écoles, souvent. Non? Ouais, que... Y a bien des gamins qui sautent des classes. On dira que t'as sauté les nains. Honnête. Oui, monsieur le président.
Avez-vous des notions de survie en terrain hostile? J'habite Bouchon depuis 40 ans. Parfait. Je vous nomme chef des armées. C'est trop, monsieur le président. Non, 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 c'est normal. Vous avez été majorette, vous avez le sens de la synchronisation. Comme tout bon militaire, vous êtes rompu en marche forcée en mini-jupe. Excuse-moi, Jacques, c'est un petit détail, mais t'es élu pour combien de temps comme président? Non, mais parce que ta campagne électorale a été assez rapide, quand même, et il y a plusieurs points qui n'ont pas été éclaircis. Parlons-en tout de suite, il n'y a pas de problème. Vu les circonstances particulières dans lesquelles se trouve la nation bouchonne, je propose que le président reste en place au moins jusqu'aux prochaines élections. Vous entendez? Quoi? Plus rien. Robert est parti rejoindre sa meute de fonctionnaires. C'est fort l'atavisme quand même. Humaine ici. C'est de là que partent toutes les décisions. D'où? Mais de là, de partout. C'est un feu d'artifice permanent. Écoutez. On les entend penser. Ben, ça fait le même bruit que s'il n'y avait personne. Exactement. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le code de réglementation qui définit le diamètre des crêpes européennes. Il y a une crêpe européenne maintenant? Évidemment, vous ne voulez tout de même pas que chacun fasse des crêpes de son côté, non? Oh, 15 ans de négociations, 12 sommets internationaux, 5 G7, 6 G8, 4 G9. Coulez! Bientôt tout sera européen. Vous connaissez leur grand projet? Non. La pointure des chaussures. Tous les Européens devront faire du 40. Même les femmes? Vous êtes pour l'égalité homme-femme? Ah ben ça. Est-ce que j'ai le choix? Non, Nicolas. L'Europe, c'est le continent de la liberté. Tout le monde devra mesurer 1m70 et chausser du 40. Mais qu'est-ce qu'il fout, Flappy? Il va nous recevoir ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de faire attendre comme ça un chef d'État? Scandaleux! Attendez que le président des États-Unis piétine dans le couloir quand il vient à Bruxelles! C'est pour nous humilier! Oui, ben estimons-nous heureux de ne pas être en prison! Tout ce qui peut retarder la mise en examen pour détournement de subventions est bienvenu! Non mais comme quoi, finalement, c'était pas une mauvaise idée! Ton histoire d'indépendance, ça peut durer des années! Non, comment des années? Moi, je repars d'ici avec les honneurs! Salué comme un chef d'État par la communauté internationale! C'est à nous! Ah, tout de même! Permettez! Qu'est-ce que vous faites? C'est pour la presse. J'immortalise ma première visite officielle en tant que président de Bouchon. Voilà, honnête. Vous allez vite en besogne. Si vous croyez qu'on va vous accorder l'indépendance comme ça, j'espère que vous avez un bon dossier. En béton. On va voir ça. Installez-vous. Alors, pour réclamer son indépendance, il faut pouvoir justifier de traditions séculaires, d'une histoire, d'un patrimoine. Avez-vous des particularismes régionaux? C'est-à-dire? Des particularismes régionaux. Comment vous expliquez ça? Par exemple, en Méditerranée, il y a une île qui réclame aussi son indépendance. Eh bien, vous savez quelle est la tradition là-bas? Non. Mitrailler une gendarmerie en mangeant du saucisson d'âne. Ça, c'est
C'est un particularisme régional. Puis-je vous poser une question, monsieur Flappy? Mais je vous en prie. Avez-vous déjà entendu parler de l'exception culturelle Bouchonnet? L'exception culturelle Bouchonnet? Oui. Non, j'avoue que... Eh bien, c'est très regrettable, mon cher monsieur. Parce que moi, je ne mets pas en avant quelques fantaisies locales. On parle d'une civilisation qui va disparaître si on y prend garde. Une civilisation avec un drapeau. Regardez. Vous êtes une région à mythe? Non. Alors il n'est pas fini. Si. C'est le drapeau de Bouchon. Un drapeau, je note. Cette civilisation dont vous parlez, elle a laissé des traces? Un folklore d'une richesse inouïe. Ah oui? Oui. Un exemple peut-être? Oui, bien sûr. Odette, la danse. Quelle danse? La danse folklorique que nous dansons tous les ans à la Saint-Bouchon, Odette. À la Saint-Bouchon? Ah oui, d'accord. Ça s'appelle... Le bouchon-bouchon. Bon, elle est tendue, elle est nerveuse. C'est normal. Deux, quatre. Vous avez un hymne? Un hymne? Si on a un hymne! Nicolas! Non. Il demande si on a un hymne! Non, c'est ça qu'il faut lui dire que non! On t'écoute! Deux! Quatre! Ça a commencé? Oui. Le chant est précédé d'un long moment d'émotion. Tous les petits bouchonnels apprennent à l'école. Une grande chorale à fin d'année. C'est très beau. Au Bouchonnet, au cœur ardent, ton beau pays est sans pareil. Tes ennemis, tu les attends en souriant. Voilà! Un hymne, je note. Alors, on a signé cette indépendance. La langue nationale, c'est quoi un bouchonnet? La langue nationale? Ah ben c'est le... C'est le bouchonnet! Le bouchonnet, hein. Vous pouvez parler bouchonnet pour voir? Ah ben, si vous voulez. C'est très proche du français, hein, mais... Par exemple, quand on cherche quelqu'un chez nous, il y a une formule consacrée, hein. On dit... Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Exactement. L'accent est très bon. Où es-tu comme en français? Oui, seulement plus personne ne sait que cette expression vient de Bouchon. Oui, et chez nous, quand l'eau tombe des nuages, on dit, et c'est assez beau d'ailleurs, on dit... Il pleut.
C'est poétique, non? C'est du français, ça aussi. Ah bah, le nombre d'expressions que le français a emprunté au Boussolet. Je m'en rendais même pas compte. Oh là là. Oh là là. Cette civilisation bouchonne dont vous me parlez, elle a laissé des traces. Mais Robert, pendant qu'on se parle, là, vous et moi, des millions d'êtres humains dans le monde utilisent une invention bouchonne. Une invention qui date de l'Antiquité. L'escroquerie. Non. Le portable. Le téléphone portable des bouchonnes. Le principe du portable. En l'an 486, un moine bouchonnet invente le premier objet qu'on porte en permanence sur soi. Et c'est... Nicolas. La moustache. La moustache? Oui, alors bien sûr, après, il y a eu des progrès techniques successifs pour arriver jusqu'au téléphone. Mais l'idée... de l'objet portable est télé. C'est incroyable qu'on ne sache pas. Bon. On va pas réclamer les royalties sur chaque moustache. Mais c'est vrai que quand je vois un moine moustachu au téléphone, je suis assez fier d'être bouchonné. Bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Quoi, c'est tout? C'est fini? Ça y est, je suis président. Bravo. Bon, ben, il faudrait qu'on se dépêche un tout petit peu, là, parce que... on a un avion pour New York, hein. Ne me prenez pas pour un imbécile. Vous demandez cette indépendance pour éviter de payer la dette colossale à l'Union Européenne. Mais pas du tout. Le bouchonnet a sa fierté. Le bouchonnet n'a rien du tout. Enfin, si, il a des dettes. Et il paiera jusqu'au dernier centime. Faites-moi confiance. Dans un bordel, mais qu'est-ce qu'il faut pour être indépendant? Du temps, de l'obstination et du courage. On ne décide pas du jour au lendemain sur l'indépendance. Songez à ces peuples qui ont lutté pendant des siècles. Songez aux morts, aux sacrifices que cela suppose. Vous n'avez aucune chance, aucune, vous m'entendez? Il a l'air ici, hein. Il emmenait moins large sur le tas de fumier. L'indépendance, mon cher monsieur, ne peut être que le caprice de l'escroc. Vous insultez Gandhi. Vous insultez Jefferson. Mais on sait même pas qui c'est. Pour la dernière fois, sommes-nous, oui ou non, indépendants? Indépendants? Jamais! Plan B. Quoi? On passe au plan B. Y avait un plan A! Si nous apparaissons aujourd'hui... en casse-pot devant vous... c'est pour affirmer la volonté de tous les bouchonnets de demeurer libres et indépendants. En effet, depuis plusieurs siècles, l'État colonialiste se refuse à reconnaître notre identité nationale, pourtant ancrée dans une tradition plusieurs fois séculaire. Vive Bouchon ! Notre culture a été systématiquement bafouée, boycottée, méprisée par un État tyran dont la légitimité n'est plus reconnue à ce jour. Vive Bouchon ! En conséquence de quoi ? Nous déclarons le bouchonnet libre et indépendant, représenté dorénavant par ce drapeau qui se trouve derrière moi, il est fini et nous ne sommes pas une région amite. Vive Bouchon ! Nous avons également un hymne au bouchonnet. Une danse locale. Notre détermination est sans faille. Nous retenons en otage Robert Flappy, haut fonctionnaire européen ennemi de la culture bouchonne. Pour vous prouver que nous disons vrai, voici sa carte de cantine. Donc il ne se sépare que sous la contrainte. Nous exigeons une reconnaissance immédiate de l'État Bouchon en échange de la libération de notre otage. Vive Bouchon ! C'était un communiqué du gouvernement de la République Bouchon. Quelque chose à rajouter ? Vive Bouchon ! Odette ! Oh. Vous pouvez me remettre le trou en face des yeux ? Bon. Vive le bouchon libre ! Vive le bouchon libre !
Moi ? Ouais, quoi de neuf ? Le village est vide, on n'est plus que tous les deux. On n'a plus d'argent, plus rien à bouffer. On va crever, la gueule ouverte. Oh, mais tu es sombre, toi, aujourd'hui ! Alors que c'est un jour béni ! Ah bon ? Ah oui, ce jour de la fête de l'indépendance. Déjà un an ! Déjà un an ! Eh ben, c'est pour ça que j'ai si faim. Mais moi aussi, j'étais surpris par cette indépendance. Quand j'avais lâché Flappy, il a découpé sa carte de cantine, il a signé. C'est un lâche, qu'est-ce que j'y peux ? Bon, on n'a plus de subvention, peut-être, mais... On n'a plus de dettes. Puis surtout, on est libre. Mais enfin, ça nous sert à quoi d'être libre? Bon, je te l'accorde, nous avons quelques problèmes d'intendance. Ah, mais c'est le fardeau des gens audacieux et entreprenants. Eh ben, je suis ni audacieux, ni entreprenant. Enfin, Nicolas, partout dans le monde, Bouchon est devenu le symbole de la liberté. On est une référence pour tous ceux qui souhaitent obtenir leur indépendance. Il y a même des groupuscules indépendantistes qui portent notre nom. Bouchon Libré, sur le sentier du bouchon lumineux. Bouchonna Nazione! T'es pas fier? Tu ressens rien? Ah, si! Ah! J'ai faim! Ingrat? Pas mon frère! Tu me dois tout! Sache qu'une fois de plus, c'est moi qui vais nous sortir de l'impasse! Dans laquelle tu nous as mis! Aujourd'hui, fête de l'indépendance! Je vais faire le bouchon un paradis fiscal! Normalement, tous les bouchonnais sont exonérés d'impôts! Mais enfin, tu oublies de dire qu'ils sont également exonérés de revenus! Il y a eu le rocher de Monaco! Il y aura désormais le trou de bouchon. Vous préparez le feu d'artifice? Bah non. Enfin, non, mais j'ai un briquet. Pas mal. Et pour le bouquet final? Oh bah. Non, mais enfin, tu crois vraiment que les bouchonnets vont revenir? J'en suis intimement convaincu. D'ici quelques minutes, ils vont frapper à cette porte, envahir ce bureau et crier « Vive Bouchon! Vive l'indépendance !» Peuple bouchon! Odette, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont viré de l'ONU! Viré de l'ONU? Mais enfin pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais distraite au moment de voter une résolution importante! Mais distraite par quoi? Une visite! Robert est passé me voir! Pour quoi faire? Pour me corrompre! Enfin! Ah, le petit salaud! Oh, j'étais émue! J'ai voté n'importe quoi! Ça a déclenché une engueulade terrible. Je me suis fait virer. On n'aurait jamais dû la laisser seule à New York. Mais non, c'est très regrettable. Je suis navrée. On se doit d'affirmer notre présence au sein de la communauté internationale. Je suis quand même contente d'être rentrée. Welcome home, Odette. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? On est indépendant, sans aucune ressource, au banc des nations. Et surtout, il est l'heure de déjeuner. Il a faim. Et vous, Odette? Un petit creux, oui. Eh bien, le premier devoir d'un chef d'État est de nourrir son peuple. Et quoi, tu nous emmènes au restaurant? Allô, l'Union Européenne? Oui, je voudrais le service de l'aide humanitaire, s'il vous plaît. Pour le président de Bouchon. Bouchon. Ben, Bouchon comme un bouchon, quoi. Oui, merci. Oh, mais vous vous rendez compte, hein? Ça va faire date. On est le premier paradis fiscal qui demande de l'aide humanitaire. Allô, l'aide humanitaire? Oui, c'est le président de Bouchon, là, pareil. C'est pour une commande de largage de nourriture. S'ils font des pizzas, je viens de 4 fromages. Oh, bon, un instant, date. Pardon? Les stocks de vaccins? Je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme vaccin? Choléra, dysenterie, fièvre jaune? Bon, Odette, ils ont des stocks de vaccins. Moi, dysenterie, je veux bien. Nicolas? Ah ben, je sais pas. Choléra. Et en nourriture, vous avez quoi? On demandait s'ils font chinois. Ah ben oui, ça, ils font chinois. C'est riz ou riz. Alors, riz? Bon, bah du riz, alors. Ça ira très bien. Bon, on est trois. Hein. Non, non. Non, pas 3 millions. 3.
Mais comment c'est passé? On est très très fort de l'autre côté. Non mais attendez, oh, il faut être combien par endroit à l'aide humanitaire? Ah d'accord. Ah oui, bon, non, on n'a pas tout ça, non, oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Bon, alors. Ah non. Mais enfin, comment non? On n'aura rien, moi, d'avoir une guerre civile, une famine, un génocide. Bon, de toute façon, j'aime pas le riz. Ah bon? Tu voulais quoi? Bah, je sais pas. Un Bordeaux 95, une galantine de foie gras, une noisette d'agneau. Oh bah, ouais. Mais alors, il n'y a pas de dessert. Ah oui, pas de dessert. Mais l'aide humanitaire parachute des petits soufflés au chocolat. Délicieux. Ils les font chauffer dans l'avion. Ils tournent au-dessus en attendant que t'aies fini ton fromage. Ils les larguent et ça arrive pile à la bonne température. Non mais tu fais quoi? Tu penses qu'à ton ventre, à bouchon, tu t'en fous? Robert! Ils m'ont largué! Quelqu'un pour décrocher cette saloperie! Robert, vous auriez dû nous prévenir! Oh mais vous m'avez pas entendu, je vais hurler pendant toute la descente! Qu'est-ce qu'il vaut l'honneur, monsieur le corrompu? On n'a pas les sur les subventions, on n'en touche plus! Je vous en prie, hein! Bon, vous n'auriez pas quelque chose à boire? On a commandé des vaccins! Ouh, ça va mal, hein? Quand on commence à picoler les vaccins, c'est qu'il n'y a plus grand-chose, hein? C'est le fiasco, cette indépendance, hein? Mais du tout, on est très heureux! Enfin, on est mourant! Oh, ben, vous nous dérangez, là. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance, et toutes les administrations bouchonnes sont fermées! Je ne serai pas long! Je suis venu vous prévenir que l'ONU vous en veut énormément! À cause de vous, la planète est dans une situation politique inextricable. En votant la résolution du Soudan, Odette a placé les Balkans sous protectorat israélien. Du coup, un conflit turco-belge est imminent. Mais dis donc, Robert, c'est un peu de votre faute aussi, là. Qui c'est qui est venu déranger Odette pendant le vote? Je leur ai tout dit. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que je suis venu vous le dire moi-même. Sans compter que maintenant, tout le monde réclame son indépendance et tout le monde l'obtient. Eh ben, fallait pas nous la donner! On ne touche pas ma carte de cantine! Vive la liberté! Oui, c'est ce qu'ils disent tous au début. Après, ils sont comme vous, ils crèvent de faim. Tu vois? Bon, ben, aujourd'hui, c'est la fête nationale. Et en tant que président de Bouchon, j'ai des obligations. Et là, vous retardez le protocole. Oh, je suis absolument désolé. Je vous laisse. Ah, à propos, j'oubliais. Vous êtes exclu de l'Europe. Quoi? En pleine période d'élargissement? Oui, c'est nouveau. C'est une procédure de rétrécissement. Vous n'appartenez plus à personne. Désormais, il faut vous prendre en charge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire régler la dette au plus vite et ne plus compter que sur vous-même. Non, mais ça, c'est impossible. On va crever. Vous avez toujours la possibilité d'émigrer, si vous trouvez un pays d'accueil. J'en doute fort, avec la mauvaise presse que vous avez. Attends, attends, Robert Marx. Ça veut dire qu'on est foutu? Foutu! On est foutu! Non, pas de défaitisme, Jacques. Hein. Moi, je peux pas te laisser dire ça. Rappelle-toi d'où on vient. On vivait tranquillement. On faisait comme tout le monde. On bouffait des subventions. Moi, j'étais à l'école. Hein. J'allais passer en CM2. Et toi, il a fallu que tu demandes une sortie d'autoroute, une zone portuaire, l'indépendance et l'aide humanitaire. Grâce à ta redoutable efficacité, on est inexorablement allé du haut vers le bas. T'as raison de faire le bilan. Des erreurs ont été commises. Il faut les réparer. Oui, bah quand même. Nous allons déclarer la guerre. La guerre! Déclarer la guerre? Mais à qui? À tous les ennemis de Bouchon. Je vous laisse le choix. Allez, compatriotes, Bouchonnais, Odette, prêtez-moi l'oreille. Nous allons réclamer la dépendance. La? La dépendance, Nicolas. Depuis trop longtemps, la terre bouchonne vit dans les hommes. L'heure n'est plus haut, on replie plus le sur soi-même. La notion d'État est dépassée. Sois plus ethnique, métisse-toi, bouge ta vie. Bouchon doit se fondre dans le grand monde planétaire. Le Bouchonnais doit devenir un citoyen du monde. Nous allons faire la guerre, monsieur le président. Oui, peut-être. Oh, c'est à moi de jouer. Le destin m'appelle. Nous allons faire la guerre, courageusement, la perdre rapidement, et se faire annexer humblement par les vainqueurs. L'ère de la liberté prend fin. Soumettons-nous et rebouchons les trous! C'est formidable! Extraordinaire! On est complètement encerclés! Ils sont nombreux! 4 divisions d'infanterie et 3 divisions blindées! Ah, ils ont mis le paquet, c'est parfait! Pas d'aviation, hein. Je suis déçu. Bon, allez, réunion d'état-major! On fait ça ici ou dans le blocos? Ah, bah ici.
tireras jamais à trois dans le placard. Bon, laissez-moi vous exposer ma tactique. Bon, vous êtes tous conscients que les forces sont illégales. C'est pourquoi nous ne risquons pas la victoire. Néanmoins, sauvons l'honneur de Bouchon et battons-nous dignement. Comment ? J'y viens. J'ai fait le choix tactique de la guérilla. Maintenant, que nécessite une guérilla ? Odette ? Une fanfare ! Nicolas ? Du riz, du poulet, chorizo, calamar. Une guérilla, Nicolas. Une guérilla, Nicolas, pas une paella, une guérilla. Bon, bah alors ça, je sais pas, ça. Moi, de la guérilla, j'en ai jamais mangé. Eh bien, la guérilla exige de la mobilité. Et un grand art du camouflage. C'est pourquoi nous profiterons de la moindre motte de terre, du moindre arbuste, pour nous cacher, surgir et surprendre l'ennemi. Oh, ils se rendent ! On a gagné ! On a gagné ! T'en es pas de malheur ! Ne tirez pas ! C'est moi ! Encore vous ! Ils m'ont nommé médiateur ! Les lâches ! Ils veulent négocier ! Non ! J'applique la procédure avant l'assaut. Je viens vous demander une dernière fois votre reddition, sans condition, bien entendu. Jamais. Le Beaujolais ne s'est jamais rendu sans combattre. Très bien. J'enregistre donc votre refus et j'en fais part immédiatement aux militaires qui sont sur le palier. Dès lors, l'opération Tempête des Trous peut commencer. Tenez, votre drapeau. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons, Odette. Je sais, Robert. Mais je suis bouchonnaise avant tout. Ça y est, mes amis. L'heure est venue de faire face à notre destin. Battons-nous vaillamment et vendons chèrement notre peau afin que l'ennemi soit fier de nous annexer. Odette. Monsieur le Président. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Votre dévouement au service de la patrie a été sans faille. Et je ne doute pas que vous prouverez une fois de plus votre courage en passant la première. C'est un honneur, monsieur le Président. Nicolas. Jacques. Nous n'avons pas toujours été d'accord, j'ai fait des erreurs, j'en conviens. Mais ta fidélité à Bouchon te vaut tout mon amour. Merci. Bon, tu as été lamentable en tout. Maire, président, stratège. Mais tu restes mon grand frère que j'aime. Merci. J'imagine que tu saisiras une fois de plus l'occasion de prouver ta lâcheté en passant le dernier. J'allais te le demander. Ce qui me place tout naturellement au milieu de vous, comme je l'ai toujours été. Bien. Si tout le monde est prêt, camarades, allons faire la guerre. Hé ha! C'était perdu d'avance, hein. Ah ouais, non, mais dis donc, t'as vu le matériel qu'ils ont ? Oui, non, mais c'est là qu'on voit que ça se prépare une guerre, hein, mon ami. On était léger. Hein. Ah ben ça, en matériel, c'est sûr ! En nombre aussi ? Oui, mais ça, en nombre, on le savait. C'est impressionnant de faire la guerre. Ça n'a rien à voir avec un défilé de majorette. Rien ! Bon, ben, pour l'instant, tout se passe comme prévu, hein. On va signer l'armistice, et puis après, bon, on va attendre tranquillement l'annexion. Excusez-moi, les militaires demandent si vous pourriez refaire un assaut, il y a des troupes derrière qui n'ont rien vu. Non, c'est terminé. La nation Bouchon est à genoux, annexez-nous, et qu'on en finisse. Dans ce cas, il faut commencer par signer l'armistice. Oui, ben, très bien, je signe. La conférence ne va pas être à quelle heure ? Et c'est quoi qui est prévu ? C'est des plateaux repas ou c'est un self ? Il n'y a pas de conférence de paix. Ah bon, bah c'est bien, on dîne tout de suite alors. Comment il n'y a pas de conférence de paix ? Et l'annexion ? Aucune annexion n'est prévue.
En tout cas, personne n'en a fait la demande parmi les alliés. Bah, à qui on appartient alors? Mais à personne. Et de plus, les frais du conflit sont à votre charge. Ce qui quintuple votre dette à l'Union Européenne. Je ne suis pas d'accord. Vous venez de le signer. Non, mais vous voulez dire qu'on a pris tous ces risques pour rien? Oh, pas pour rien, je vous rassure. C'est pas tous les jours que les militaires ont l'occasion de rigoler autant. Voilà, voilà mes amis, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'abandonne. Je m'effondre. J'abandonne. Oh non, pas vous, monsieur le Président. Vous n'avez pas le droit. Pas le droit. Odette a raison. C'est décevant comme attitude. Non, mais... moi, je suis avec toi, Jacques. Il était temps que tu t'arrêtes. Alors, vous n'avez pas de plan C? Robert, je vous en prie. D, peut-être? Arrêtez, vous ne voyez pas que cet homme souffre? Dommage. Juste au moment où il avait l'occasion de sortir de l'impasse. C'est trop bête. Mais comment? Il refuse l'annexion. On n'est plus qu'une nation vaincue, endettée, sans ressources. Justement, c'est ça votre chance. Robert, vous allez nous aider? Curieusement, oui. Car malgré moi, lorsque je vous ai vu dans l'escalier, les bras en l'air, au milieu des rires qui crépitaient, vous avez forcé mon admiration. Il se fout de nous. Non, non, Jacques. Votre obstination est digne d'un Gandhi, d'un Jefferson. Vous faites partie des grands, des plus grands. Relevez-vous. Saisissez cette main que je vous tends. Non, alors ça, c'est très émouvant. Mais c'est quoi votre idée? Demandez une aide à la reconstruction. Un plan Marshall? Un plan Flappy. Et croyez-moi, il y en a de l'argent pour ça. Il n'y a pas eu de guerre mondiale depuis 45. Ça veut dire qu'ils ennuient dans ce service. Non. Vous nous aideriez? Oui. Pour Bouchon et... et pour Odette. Oh, Robert, je crois que c'est le moment de vous le dire, je suis enceinte. De qui? De vous, Robert. De qui d'autre? Oh, mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Je n'étais pas sûre, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est une excellente nouvelle, Odette. Nous allons repeupler Bouchon. Bon, alors, oh, si c'est un garçon, nous l'appellerons Jacques. Oh. Et si c'est une fille? Nicolas! Il faudra déclarer des quintuplés pour avoir les allocations familiales maximum. Vous êtes un vrai bouchonnet! Permettez que je vous embrasse. Voulez-vous être des nôtres? C'est toujours un paradis fiscal? Toujours. Alors j'ouvre un compte. Bon. Vous avez dans mon cœur un crédit illimité, Robert. Honnête! Un passeport pour monsieur! Oh, c'est ma première naturalisation! Attendez. Ça peut pas marcher, votre plan. Pour obtenir une aide à la reconstruction, il faut des ruines, des réfugiés! Et alors? Où est le problème? Eh oui! Il a raison! Cassez tout, mes amis! Tout ce que vous pouvez! Et vive Bouchon! Vive Bouchon!